Bonjour, bonjour. Petite précision que je voulais apporter, c'est que guérir de son passé, c'est pas oublier son passé. Certaines personnes, quand elles viennent me voir, me disent: ah, j'aimerais bien oublier. C'est vrai que certains souvenirs, certains traumas, on préférerait les oublier. Le problème, c'est que si on les oublie, on oublie une part de nous, une part des choses qu'on a appris, qu'elles soient agréables ou non. Et souvent, quand on oublie, comme on le dit, quand on oublie l'histoire, on est condamné à la revivre. Eh bien, c'est pareil. Si on oubliait notre passé, on serait irrémédiablement condamné à le vivre, à le revivre. Avec, malgré tout, dans l'inconscient, dans le mental, une trace, même si consciemment c'est oublié. Et donc une double peine, voire plus. Guérir, c'est pas oublier. Oublier n'aide pas à guérir, au contraire. Oublier fait juste souffrir. Guérir, c'est comme je l'expliquais dans une autre vidéo avec l'image du couteau. C'est sortir le couteau de la blessure, faire ce qu'il faut pour fermer la plaie, pour cicatriser et ne plus avoir mal. Et quand on n'a plus mal, les souvenirs des événements, aussi durs eussent-ils été, ne sont plus douloureux, ne font plus mal, ne font plus souffrir. Donc quand on guérit, on ne souffre plus. Mais on n'oublie pas. À bientôt. Ciao, ciao.